Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à 22h54. J'ai regardé sur internet, donc plutôt en fin de journée. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du bélier qui nous indique le message suivant: apaisez vos émotions. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez, que vous avez profité de votre semaine. Mais c'est un week-end, hein, comme on a cette pleine lune le dimanche soir, qui risque d'être assez fort en émotion, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Il a un tempérament plutôt vindicatif, il est plutôt individualiste, mais il sait ce qu'il veut également. Et sachant que le soleil est en balance, Balance invite à l'harmonie, à l'équilibre, à apaiser les conflits. Là, on a cette énergie du bélier, hein. Alors, la pleine lune, hein, c'est les émotions profondes, hein, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, là, qui nous pousse à aller de l'avant, puis à exprimer aussi notre individualité. Donc, ça risque d'être un week-end plutôt conflictuel, et puis ça peut avoir une influence aussi sur le lundi 10, voire le mardi 11, et puis bon, bref, a priori après ça s'atténue. Mais là, voilà, on risque d'avoir des énergies assez conflictuelles, assez denses aussi, mais aussi des énergies fortes en émotion. Donc ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement positif pour vous, hein, une super bonne nouvelle, une super bonne surprise, quelque chose qui peut vous ravir. En tout cas, ce sont les premières indications que nous avons là avec cette pleine lune en bélier. Bien sûr, je vous invite à regarder des vidéos concernant des astrologues qui peuvent vous donner des indications plus précises par rapport aussi aux signes astro et puis également à l'influence des autres planètes. Mais nous, on va voir au niveau énergétique justement un petit peu cette influence principale avec l'oracle de la lune, hein, vous avez l'habitude, un petit peu ce qu'il en ressort justement au niveau énergétique et comment on peut appréhender cette pleine lune de manière efficace, apaiser nos émotions au mieux, ce fameux équilibre. Hein, donc, pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avancez dans vos projets, que la sérénité fait partie de votre vie. Bon, je souris en le disant parce que je sais que c'est pas toujours évident, mais j'espère que ça se passe le mieux possible. Alors qu'est-ce que nous avons? Lune d'air, ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi. Alors, super intéressant cette énergie de lune d'air. Alors, s'il veut bien me faire, voilà. On a ce côté d'apporter de la légèreté. Alors, ça me fait sourire parce que je vous indiquais que le soleil est en balance, hein, qui cultive plutôt l'apaisement des conflits. Signes d'air et les signes de feu sont plutôt amis, hein, en astrologie. Donc là, on est bien dans ces énergies à poser, apaiser. Voyez les lapsus, apaiser ses émotions, de faire preuve aussi d'adaptabilité, de ne pas rester obtus, obstiné et têtu. Un peu comme une des caractéristiques du bélier, bien entendu. Vous savez qu'il y a des caractéristiques, on a tous des défauts et des qualités. C'est valable aussi pour les signes astro. Mais là, bon, on nous demande de cultiver la légèreté, de ne pas prendre tout au premier degré, justement, même s'il y a une parole blessante, peut-être que, eh bien, elle a été dite sans faire exprès non plus. Vous voyez, c'est d'éviter, si vous voulez, de mal interpréter peut-être des propos dans vos échanges, dans vos relations. Et nous avons, oh bah, la lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure, la part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre avec ardeur, passion et enthousiasme, vibre avec intensité. Alors là, ça m'épate. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est mis en lumière, c'est cette lune d'air, hein, qu'on nous demande d'apporter un peu de légèreté, de faire preuve de souplesse aussi. Et en fond, nous avons cette lune de feu. Donc, j'ai cette sensation-là qu'il y a quelque chose en préparation. C'est peut-être pour mieux vous préparer. Je dirais,
cultiver votre énergie d'optimisme, vous ressourcer énergétiquement, physiquement, psychologiquement, psychiquement, je pourrais sortir tous les... Mais pourquoi? Parce que je pense que par la suite, alors peut-être durant la semaine ou durant la prochaine de la nouvelle lune, on va vous demander d'agir, de passer à l'action. Alors peut-être pour une transformation intérieure, pour résoudre une problématique, pour évoluer dans une situation ou dans un domaine de votre vie. Donc là, c'est vrai que j'ai l'impression que peut-être qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça évolue, hein, avec cette énergie du bélier, mais que concrètement, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que vous devez clôturer certains dossiers, certains chapitres de votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, avec cette lune d'air, moi j'ai l'impression que lors de cette phase hein, de pleine lune, hein, qui peut durer 48 heures à 15 jours en fonction de la situation de chacun, sachant que par la suite, les effets hein, sont amoindris, hein, ce qui est normal, puisque tout est cyclique, hein, vous le savez. Mais vraiment là, c'est cette petite parenthèse. Octroyez-vous une petite parenthèse de légèreté, de bien-être, de cocooning, hein, pour ensuite vous préparer à agir avec beaucoup plus d'efficacité, de clairvoyance et puis de passion aussi, en fonction de votre situation. Justement, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Ce n'est pas le moment d'y penser. Oui, il y a peut-être, vous avez envie de résoudre un conflit, de clôturer un chapitre. Et là, c'est pour l'instant, ressource-toi, prends soin de toi. On est encore dans ces énergies de bien-être, hein, de préserver son capital énergétique parce qu'après, les choses vont bouger d'une manière ou d'une autre. J'ai cette sensation-là qu'on nous avertit. Allez, avec l'oracle de... mon intention a été posée. Renaissance, prudence, demander. Oh, elle est jolie cette carte, le numéro 24. Voyez, il y a cette notion de se ressourcer. La transformation est en cours. Voyez, là on voit le papillon caché qui est encore un petit peu dans l'ombre. Il y a les prémices de quelque chose, d'une lumière, de quelque chose, voilà. Mais pour l'instant, on est encore dans cette phase-là. Donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'on nous demande justement de faire preuve de souplesse, de ne pas se tracasser, si vous voulez, pour des soucis qui sont présents dans votre vie. Pour l'instant, durant cette phase lunaire, c'est une question de quelques jours. Là, plutôt de vous ressourcer, de vous préserver, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui émerge en vous. Alors, comme je le disais, hein, avec ce tempérament de feu, avec la pleine lune en bélier, on a envie. Et là, on nous dit de cultiver un petit peu la patience, voyez, ça pousse à peine. Il y a ce papillon, vous êtes sur le point de... Alors, je sais, certains vont dire, ah ouais, mais ça fait un petit moment, etc. Tout prend du temps, hein, c'est pas en un clinquement de doigts, hein, rien que dans les dessins animés qu'il y a des baguettes magiques et puis hop, c'est instantané. Mais là, on est dans notre incarnation sur Terre, on doit composer avec nos limites humaines. C'est comme ça, ça fait partie de l'enjeu. Il y a des jours où on l'accepte mieux et des jours où on l'accepte moins. Donc là, ouais, on est vraiment repos, bien-être. Et en dos, nous avons pouvoir de l'attraction. Pour par la suite, effectivement, il y a quelque chose en prémisse. Ça, je le dis, je crois, depuis un certain temps. Pour pouvoir peut-être attirer le meilleur dans votre vie. Les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, la résolution de problématiques, etc., etc. Donc, ok, on est prévenu, on le sait. Je vais aller un peu plus loin avec la lunologie en action. Nous allons voir quels sont les messages complémentaires pour cette pleine lune du dimanche 9 octobre 2022. C'est la pleine lune de la chute des feuilles chez les Amérindiens aussi. Alors, il y a plusieurs noms, hein, ça vous trouverez sur Internet. Mais c'est vraiment se délester. Alors, on est vraiment dans ces énergies automnales. Hein. Ayez confiance, tout ira bien. Déjà, premier message. Okay. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Vous voyez, c'est de garder confiance dans le fait que ça va s'éclaircir, que vous allez pouvoir résoudre un conflit, une problématique, que ça va se débloquer.
Et ouais, peut-être. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Alors, en fonction de votre situation, vous savez que ça reste une guidance générale. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Mais effectivement, on a des phases où c'est, hein, là, on nous parle de nos émotions, on aimerait que les choses aillent plus vite, hein, surtout quand on est en phase de difficulté. Pardon. Oui, je tousse. C'est pas toujours évident. Cependant, on sait que rien n'est jamais linéaire, que tout est en perpétuel mouvement. Nous avons respiré pour éliminer la tension. Bah écoutez, hein, on est vraiment dans ces énergies-là. On a la nouvelle lune en vierge, en scorpion, scorpion au signe de la transformation, vierge, hein, le côté posé, structuré. Et ensuite, nous avons monté au créneau et guidé les autres. D'accord. Et là, on a la nouvelle lune en Capricorne. On a deux énergies de terre, une énergie d'eau. Effectivement, on nous demande d'agir étape par étape. C'est assez impressionnant. Bon, parfois, je peux changer l'ordre, mais là, vraiment, voilà, sans le vouloir, il y a un ordre très logique dans le fait que déjà, on garde confiance. On respire pour éliminer les tensions, pour apaiser notre mental. On se ressent sur soi-même. On garde confiance dans le fait que soit vous allez trouver la solution pour résoudre une problématique, pour aller de l'avant, hein, mais surtout essayez de cultiver votre équilibre intérieur. Hein, et en dos, triomphez de vos insécurités. Très très beau message. Hein. Elle peut avoir un sentiment, bah c'est vrai que lors de la pleine lune, hein, les émotions sont exacerbées, on le dit assez souvent, mais aussi la part intuitive en général est beaucoup plus présente. Donc ça peut être déstabilisant parce que c'est pas toujours évident à comprendre, à décoder, on va dire, ce que l'on ressent, les messages qu'on reçoit, en fonction de vos croyances. Hein. Et c'est vrai que ça peut nous induire un sentiment d'insécurité, de dire non, mais là, concrètement, c'est pas possible. Alors que si. Mais bon. Donc c'est vrai qu'on est dans une phase transitoire avec ces énergies automnales, hein, parce que on ne sait pas trop où on va, on voit par rapport aux énergies collectives, hein, ce n'est pas évident pour chacun d'entre nous pour s'en sortir, pour que le quotidien reste serein. Voilà. Donc on va triompher, on garde confiance sur le fait que on va vers du mieux. Chacun par rapport à sa vie. En fonction bien sûr de ses possibilités, mais à partir du moment où vous arrivez à peut-être introduire dans votre quotidien des petites routines de calme, vous savez, de méditation, vous recentrez sur votre respiration, méditation de pleine conscience, c'est pour ça que je préfère à ça, ça peut vous aider au quotidien. On sait que c'est un travail au quotidien, hein, et que bah, à chaque jour, hein, suffit, c'est à peine, je reparlais encore avec une amie, donc. C'est comme ça. Mais on a des énergies douces. Hein. J'ai l'impression que là. Allez, avec le Luminata, nous allons voir quels sont les autres messages qui nous accompagnent pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. C'est le retour à soi. Hein. Et le bélier, c'est vraiment le côté j'ai confiance en moi. Je sais où je vais, je sais quelle direction je prends. Et je sais, c'est pas toujours facile, hein, dans ce contexte actuel, parce que tout ne dépend pas de nous, on le sait. Mais justement, hein, sois souple avec cette lune d'air nous indique qu'on est capable de faire preuve d'adaptabilité et de rebondir à bon escient. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un 5 de bâton. Oui, hein, on parlait du côté conflictuel, ça ressort, hein. Ensuite, nous avons. Bah, la reine de coupe, voilà, des émotions beaucoup plus sereines, le côté intuitif aussi qui ressort. Hein. On appelle ces émotions, hein, là c'est clair. Hein. Et puis nous avons la 3 de pentacle pour pouvoir s'élever, retrouver une harmonie, co-créer aussi éventuellement. Très bien, on a des belles énergies. Et en dos, nous avons. Bah, tempérance, la douceur, la guérison, composer avec les opposés. Et oui,
Bélier est le signe opposé à la balance et vice-versa, hein, vous l'aurez compris. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais voilà, le peu que je peux vous en dire. Ça me fait sourire parce qu'on est dans ces énergies d'équilibre, d'harmonie. Effectivement, le côté conflictuel ressort, hein. Donc ça peut être dans des relations pro comme dans des relations perso. Mais nous avons cette reine de coupe qui nous demande de temporiser, de nous connecter à notre part féminine, intuitive, de garder aussi ses émotions le plus stables possible, et avec le 3 de denier, que pour que concrètement dans la matière, on voit ce triangle et cette fleur pour nourrir, je dirais, l'optimisme, l'évolution vers l'apaisement des conflits, de blocages, concrètement dans la matière, je parle, hein. Et aussi, le travail d'équipe est favorisé durant cette pleine lune, même si c'est compliqué. Mais si chacun fournit les efforts nécessaires, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi, j'en parlais avec une personne, si chacun... On sait que nous avons tous des perceptions différentes par rapport, je dirais, à une situation. J'ai pas d'exemple là, mais voilà, pour imaginer un petit peu mon ressenti. Mais si on arrive à trouver un accord, vous voyez, cette reine de coupe, elle est au milieu en plus. Un juste milieu, et on a quand même cette carte de la tempérance, à tempérer justement nos émotions et à parler avec, je dirais, une certaine douceur, tout en étant, et avec une certaine finesse, voilà. Pour être convaincant, par exemple, dans nos idées, mais que chacun arrive, apporte sa petite graine, on peut, hein, l'union fait la force, c'est ce que l'on dit. Donc, pour, voilà, s'unir et trouver la force nécessaire, eh bien, pour évoluer, pour faire en sorte que une situation évolue dans le bon sens, qu'on retrouve des relations harmonieuses, ou même sur l'aspect financier et matériel, hein, parce que le pentacle, c'est sur l'aspect financier et matériel. Le bâton, on peut retrouver le côté professionnel, et les coupes, le côté relationnel. Donc, vous voyez, on a 3 éléments sur 4. Eh bien, ça peut, je dirais, on peut avoir de belles surprises, hein, vraiment des surprises encourageantes qui nous poussent vraiment à aller de l'avant et à faire en sorte que... Donc, on a des phases comme ça transitoires qui sont nécessaires à notre évolution et à l'évolution collective aussi pour nous permettre justement de faire preuve d'adaptabilité quand il le faut sans pour autant, je dirais, s'oublier soi-même, hein. Justement, on se préserve dans tout ça. Donc, il y a une forme comme ça de reset pour certains, de remise à zéro. On apaise tout cela et on repart sur de bonnes bases. Allez, on va terminer avec le petit oracle, la magie de la lune, pour voir un petit peu le message de fin, hein, pour ces énergies de pleine lune, que je trouve très intéressante. Et il n'y a pas de grande dualité, je vois pas des conflits, je dirais, qui ne peuvent pas se résoudre, bien au contraire. Il suffit juste de... Je sais, c'est facile à dire, mais à partir du moment où vous êtes entouré des personnes qui sont dans cette même volonté que vous, je pense que vous pourrez trouver facilement un terrain d'entente en toute situation confondue. Alors... Ah, ça ne veut pas sauter. Pff, à chaque fois, vous remarquerez que je dis ça, ça saute. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, Sagittaire. Alors, si elle veut bien me faire la mise au point. Ouais. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et c'est ce qui est prévu avec cette lune de feu. Il y a quelque chose qui est prévu. C'est-à-dire que là, dans cette phase lunaire, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est plus un travail de préparation. On nettoie le terrain, hein, on apaise les conflits, on repart sur des bases neutres, on clôture tout ce qui a clôturé, toutes les factures sont payées, hein, voilà. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Pour ensuite pouvoir, je veux dire, agir en toute confiance pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin de vie. Et on va plutôt la mettre là, puisque là, ma caméra, voilà.
Voilà ce que je pouvais en dire sur ces énergies de pleine lune. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager ma vidéo afin de faire évoluer ma chaîne. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait une interactivité entre vous et moi. Parce que c'est vrai que j'enregistre des vidéos, mais quand on n'a pas de retour, c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors via YouTube ou les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. À bientôt !